Allez, continue, trois petits cochons. Donc maintenant c'est lui qui va couper. Enfin si le tube il lâche pas avant. Attends, je t'aide. T'as mis des quoi comme... Ah, des 6000, c'est quoi que t'as dedans, Rick? 6750. Voilà, ça va. Là, c'est comme ça, quand on roule comme ça, t'as bien facile 25 minutes comme ça. Je vais tomber. Ah là c'est un peu plus court, c'est bon. Attention, le raft est dans l'axe, j'arrive à blinde. Oh, ça compte. Bon ben je vais vite réparer. J'ai la roue qui... Regarde. Bah allez-y, roulez hein, puisque vous filmez. Bon, décrochez. Ça c'est ce qui est cool avec cette plastique Traxas et ses axes. C'est là que t'es content de pas avoir mis de vis. Alors. Allez, allez, les outils c'est toujours là. Si, j'allais dire c'est la dernière boîte que tu chopes, mais non. On va le faire ensemble les gars. Alors, je vais enlever la carreau juste pour l'enlever, s'il n'y a pas besoin. Comme de toute façon décrocher c'est bon. Ah, la noix est dans la nature, c'est la seule noix que j'ai sur la machine qui n'est pas vissée. Parce que j'ai le... J'avais reçu un X-Max d'occasion dont une noix, le filetage, était... la vis était pétée dans le filetage. Donc quand j'ai vendu l'autre, j'ai mis une noix complète et j'ai gardé la cassée. Je vois c'est pas très grave de toute façon. Alors, j'ai pris la seule boîte où les noix sont pas dedans. C'est parce que je les avais déjà filés à quelqu'un. Alors on va déjà une fois enlever l'axe là derrière. Bouge pas Kiki. Voilà, on sort l'axe. Maintenant on va chercher une noix. Alors. Ouais, je crois que mes dernières noix de caisse à outils sont parties au Val d'Argent en fait et j'ai oublié d'en remettre. Regarde ça. Mais non. J'ai pas fait ça à Mani. Si, si. On va revérifier la caisse à vis. Effectivement. Deux dernières noix étaient parties au Val d'Argent. Non, ils sont là. J'avais remis un petit paquet. Alors, sur le X-Max pour les noix, vous avez maintenant beaucoup de choix entre des renforcés, des super renforcés, des spéciales, avec des anneaux machin bidule et tout ce que tu veux. Mais, finalement, je continue à rouler sur des origines pour une raison très simple. Elle a besoin un peu d'aide pour rentrer ça. Hop. Au moins elle partira pas. C'est que tout simplement je préfère exploser une noix. Vous voyez, plus de batterie. Ah, j'ai décroché les deux triangles. Bon, c'était violent hein. Mais c'était rigolo. Ah, ça fait des semaines que je roule avec toutes les autres voitures. Toutes les autres, tu fais un peu gaffe, tu fais moins violent. Alors ça fait du bien. Ouais, ouais. Celui-là, de le rosser un bon coup. Regarde l'autre côté aussi. Regarde ça. Voilà. C'est l'avantage des chutes de l'eau. Ah ouais, là, franchement. Et même les noix, tu vois, j'ai essayé plein de noix renforcées. Ce que je leur disais à la caméra, là, je suis repassé sur les noix d'origine. Hein. Tout ce qui est renforcé, tu plies le cardan et après, ouais. Ou le cardan, il enfonce la noix et du coup, tu flingues l'intérieur du diff. Hein. Ouais. Et les noix GPM? Ah, ça, ça, elles sont même pas plus solides que les origines. Un peu moins cher, non? Non, mais après j'ai trouvé un chinois qui fait des noix pas chères. Elles se bouffent, plus vite. Un peu plus vite. Tu vois, mais je veux dire, après elles sont vraiment taillées en 20 packs, mais elles te font quand même les 50. Et quand elles explosent, tu t'en fous parce que c'est. J'ai payé, je crois, 20 balles les 4. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est un... Parce que les origines maintenant, il faut aussi renforcer. Ah ouais. Mais le prix, il est parti en flèche. Hein. Bah, une noix normale, c'est 10 balles quand même. Hein. Une noix. Le triangle avant c'était 8,90 chez Modèle Banmet, ils sont passés à 14. Ouais, c'est ça. Et c'est assez étrange puisqu'on payait même les renforcés que 11 ou 12. Ah ouais. Non, ça a monté aussi. Hein. Mais chez tout le monde. Bon, après, ouais, c'est sûr, augmentation du prix du pétrole et le plastique qui est fait avec du pétrole. Hein. Ah, ça. Augmentation du prix de transport. Tout ça répercuté sur la marge et la TVA répercutée sur l'augmentation. Bam. Et les matières premières. Ouais. Bon, attends, c'est bon, t'es prêt? Oh, il boit? Ça il faut que je filme parce que ça on n'a jamais vu. Ah, c'est bon. Fripouille qui boit pendant pendant une sortie. Alors, ton diff ça se précise ou c'est le tube? Là où il y a plus d'animal, c'est ça. Oui. Touché. T'as eu ça propre, hein, juste le pneu derrière la jambe. Juste un petit coup. Et bien en étau pour pas qu'il puisse fuir. Parce que j'aurais pu toucher doucement avec le pare-choc derrière, mais c'est plus rigolo pour coïncidence parce que par réflexe t'avances le pied, mais du coup tu peux pas. Ouais, tant qu'il tombe pas sur le X-Max. Voilà. Parce qu'il m'a déjà fait un coup Yeti, hein. J'avais une cox reverse après. Ah non, c'était Big Mama. C'était la Jeep qui s'est retrouvée à l'envers. Elle est passée de Jeep à basket. Attends, bouge pas Rick. Bouge pas. Hop. Ouais, le cerveau aussi, les animaux. C'est bon, tu peux y aller. Elle a tout là, Pro Body, Basher Body, Elsass Body et 30 €, hein, parce que multipub. Sans pitié là. Là on va faire un peu de chèvre par là. Ouais, t'es pas plus lent que moi, hein, Raph, hein. Bon, allez, en ligne. Non, Rick, en ligne, c'est sur la route, pas dans le trou. Ah, je vois pas la profondeur comme il faut, là. Raph, il voit rien non plus, là, il roule au jugé. Ah, voilà. Ça allait tant qu'il était en mouvement, qu'il avait le son. Maintenant, il a l'arrêt, il sait même pas dans quel sens est son X-Max. Allez, tu pars, Raph, t'es devant. T'as un pignon de combien toi, Rick? T'es en combien, Rick? 16. 16, 35? Ouais. T'as vu, on est tous à la même vitesse, c'est débile. Hein. Pourtant, t'as les roues même un peu plus grandes. Hein. T'avais enfoncé à fond là? Ouais. Bon, après, les batteries sont peut-être un peu vieilles aussi, non? À mon avis, j'ai déjà roulé, hein, donc. Ouais. Je peux faire là. Ah, ouais, celui-là, faut faire gaffe. Hein. Oh, oh, oh. en fond. Eh, hey, je suis sur les roues. T'allumes bien la caméra, Rick, j'arrive de face à toi. Attention. C'était vraiment libre. Ah mais là l'herbe elle est haute, hein, ça... Ah girafe, c'est bon. Dommage, il est pas redescendu. Ah là elle est vraiment haute, hein. Là elle est touffue de chez touffue, hein. Faut vraiment qu'on roule nouveau plus ici avec la X-Max, hein. La prochaine fois j'emmène une fois les 14 rampes et on se met là. Les 14 rampes. Et on en met deux sur la bosse, comme ça on décolle vertical. On fait une chandelle. Non, le but c'est de faire, tu sais, une chandelle et retomber dans le... Ah c'est trop haut là, hein. Comme ça te le ralentit. Parce qu'avant je voulais sauter mais j'étais à fond en fait quand j'ai foncé sur Rick. Et tu vois ce qui est débile, c'est que moi j'ai le Vario 3.0. Oui. Lui il a un tout vieux d'origine avec des vieilles lipos et des vieux pneus Total 1100. On est tous tout le temps à la même vitesse. Exact. En 1635 voilà, on maintient la mécanique on va dire. Ouais mais tu vois avec le 1635 moi j'avais quand même... Moi, t'as beaucoup plus de patates quoi, pour les sauts et le flip. Oui. C'était quoi ça? J'ai tiré à gauche, j'ai vu le panneau, je me suis dit, on va le laisser aller. Ah. Bah, il va y avoir carreau foot. Et qu'est-ce que tu fais? C'est le brin d'herbe là, Marc. Alors. Mais ça va être chaud à la montée, hein. Si, je peux peut-être te poser juste sur la pente. Bon, c'est pas comme si on était à 1,50 m. Yeah. Bon, on va se remettre là-bas où il y a trop d'herbe. Ça nous bouffe quand même, hein. Mais c'est là que ça se rigolo avec 10 X-Max. Franchement, en 3 packs, la prairie, elle est faite. Tu te souviens quand on avait fait le bretzel là-bas? Le terrain, il a mis un an à s'en remettre. Bon. C'est bon, t'es sur les roues. Merde, tu l'as vu? Tu l'as filmé? On mettra le best-of des... Mais moi aussi, je pense, vous m'avez aussi sur la caméra, vous étiez derrière moi avant. J'étais sur la porte, j'étais en train de faire comme ça. Bon, au moins, on l'entend arriver le cochonnet, hein. Ah bah là, c'est pas comme si j'ai chopé un musée. J'ai couronne pignon, hein. J'ai regardé. Ouais c'est sûr, c'est différent. Ah. Ah, faire gaffe, les efforts dans les ornières sont mortels, hein. Des fois quand tu réaccélères. Alors en marche arrière, vraiment, tu mets la roulette en dessous du toit. Parce que sinon il arrive ça justement. Tu t'es pas demandé pourquoi on fait tous marche arrière pour retourner les zones. Hein? Tu t'es pas demandé pourquoi on fait tous marche arrière pour relever les autres? Mais non, mais c'est pas ça. J'allais avec ça, voilà. T'as vu, la dernière sur le vélo, c'était Kung Fu Panda. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y a un événement vélo ce matin où ils ont tous eu une appli. Tu sais, il y a sûrement Google qui leur a dit c'est le moment de faire du vélo. Ah, c'est possible. Parce que si tu regardes l'appli Google Météo, putain, tu regardes les consignes en bas, tu te pisses dessus. Hein. Ouais. Il va faire beau, short conseillé. Éviter de sortir à cause du pollen, des trucs comme ça, mais tu te dis mais putain mais ça va pas quoi. Restez dedans, faites vos commandes sur Amazon. Vélo. Vélo des deux côtés. Je t'ai touché? Bonjour. Il est où le mien? Donc si j'avance, je reviens, c'est ça? J'adore. Tu sais pas où il est, de quoi il survit dans le truc. J'aime bien cette partie de la bosse là parce que tu fais vachement la chèvre. Et quand c'est bien, une fois que tu as arraché l'herbe, tu arrives à bondir d'un côté à l'autre. Et des fois, il faut prendre des contre-appels là-bas aussi. Moins d'herbe et moins de vélo. Ouais. Bon, attention, je vais revenir avec un peu d'élan. Ouais, mais non, je sais jamais. Attention. Oh, ça, il est passé crème, hein. Ah ouais. Mais ce qui est sympa, c'est de l'autre côté quand il n'y a pas d'air, parce que tu arrives à sauter de là jusqu'ici. Oh. Là, il y a même ma chouillette de dip, là. Tu es où? Ah, oh, purée, la vache, je suis là-bas, moi. La vache, comme il est parti loin. Ah. Allez. Merci. Vélo derrière nous. Est-ce que j'arrive encore à faire du tunnel? Bon, le tour dans le tunnel, tranquille, hein, même à distance. Ouais, ouais. Faut juste être dans l'axe comme ça, parce que s'il y a un vélo qui arrive de face à pleine vitesse. Tu vois un petit cycliste de vitesse qui arrive là à 40-50 dans le tunnel et toi t'es au-dessus de sa tête, les roues à l'envers. Attention, il y a un bord en béton là-bas. Hein. Ouais, vers là-bas où t'es à fou, il y a un bord en béton. Ah. Trois raptors dans le pré. Attention. Ah, ça saute que dalle. Hein. Parce que non, là, avec la vitesse, on arrive, tu décolles sec, hein, mais avec l'herbe, c'est mort. Hein. Ah, bleu. Oh, oh, oh. Donc, diagnostic différentiel. Oh, merde. Moi, c'est un pneu. Oh, oh, oh. Non, bah, tiens. Perdu en efficacité, là. Oh, la vache. Oh, on va changer ça. Ah, deux vis de pare-choc, non, 4 en dessous. 4 et 5, sur vélo. Je suis curieux de ce que ça donne cette enceinte sous l'eau. Surtout avec le... Bloup, 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 bloup. Souvenir, voilà. Ah, regarde, il m'a dé... ça m'a décroché le triangle. Regarde la roue là. Ah, eh, hein. Mais mon jump, il est où là? Qu'est-ce que t'as à faire? Ah ben bon, ah oui, oui, du coup, forcément, je suis en 3 roues motrices. Hop, je me mets sur le dos pour la réparation.